Bon, allez, cette fois on y va. Clic, clic, clic. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue, nous sommes le vendredi soir, le 5 janvier 2024, on y est. Bonne année, meilleurs vœux. Je vais la faire classique parce que un peu partout j'ai écrit bonne année de merde, machin. Il y a des années où sur le blog j'avais même carrément souhaité une bonne fin du monde en espérant que la psychologie inverse fasse son effet. Malheureusement, rien n'y fait, donc bon. On va rester classique pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année pour ceux qui ont eu, qui ont passé les fêtes, qui ont fait la fête. En ont profité. Moi, c'est en demi-teinte, un petit peu malade. Mais bon, ouais, cadeaux, bouffe, comme d'habitude, quoi. J'ai même eu des Legos, j'ai réussi à me retenir. Non, parce que je les ai eu le 25 et je les ai fait le 26, je les ai montés le 26. Donc voilà. Et donc nous voilà pour 2024, retour en live. On va revenir. On s'était laissé juste avant Noël, enfin la semaine avant Noël, sur un demi-échec, puisque on avait dû laisser tomber la migration du blog en cours de route, parce qu'on avait énormément de problèmes liés notamment à SE Linux. Que j'ai pas envie de désactiver. Il fout énormément la merde, mais c'est quand même un bon morceau de sécurité à avoir sur son serveur. Le fait est que paradoxalement, par rapport au truc qu'on avait identifié, parce que j'en avais chié, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dû passer par Stras, j'avais réussi à identifier qu'il n'arrivait pas à se connecter au Redis, parce qu'il n'avait pas le droit. Et il se trouve en fait que bah, j'avais pas pris toutes les commandes qu'il fallait et que j'avais autorisé que la partie base de données. Et en fait, il fallait autoriser toutes les connexions sortantes puisque c'est du réseau et que même en localhost, ils considèrent ça comme du réseau sortant. Me demandez pas pourquoi. Et du coup, il s'avère que grosso modo, 10 minutes après la fin du live, ça marchait. Alors par contre, ça marchait, mais on avait identifié qu'on avait toujours des problèmes. Enfin, on avait aussi identifié que j'avais pas de fichier de log parce qu'il n'avait pas le droit d'aller écrire les fichiers de log là où je lui avais dit de les mettre. Du coup, on était un peu en mode, voilà, c'était pas clairement, c'était pas en état d'être migré à ce moment-là. Même après, quand j'ai trouvé le truc à 23h30, j'ai dit bon. Non, je lâche l'affaire, j'ai posé le PC, j'ai dû aller me coucher pas longtemps après. Donc du coup, on avait quand même fait une bonne partie du boulot, ce qui donc j'aimerais bien arriver au bout. Entre-temps, j'ai désactivé Nginx parce que ça servait à rien de le laisser vu qu'il n'était pas en état de. Enfin, on n'était pas prêt à sortir le truc. Donc l'objectif, ça va être de régler les derniers problèmes. Pendant les vacances de Noël, j'ai réussi à lire 2-3 trucs, je me suis paumé, mais alors. C'est vraiment compliqué à ce Linux en fait, hein, si vraiment on veut rentrer à fond dedans. Donc ce soir, on va quand même partir. Vous savez, un petit peu comme quand on apprend certains théorèmes de maths où on sort ce qu'on appelle les axiomes. C'est le ta gueule, c'est magique. Hein, c'est un peu ça. Donc on va partir du principe qu'il y a des choses qui fonctionnent. Je ne sais pas exactement comment elles fonctionnent. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Sauf qu'a priori, on a ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut quand même pour. J'ai réussi à trouver 2-3 articles. L'astuce, c'était de chercher des ressources SE Linux avec CentOS, parce qu'en fait, SE Linux, ça fait très longtemps que c'est un module qui est activé par défaut dans l'univers Red Hat, et en fait, en cherchant des articles par rapport à CentOS et PHP, j'ai réussi à trouver des trucs qui, a priori, me permettraient d'aller jusqu'au bout de la démarche, sans oublier de morceaux au passage. J'ai aussi appris pourquoi j'avais Firewall D d'activer et que on a failli changer de sujet 2 heures avant le dernier live parce que j'avais plus accès à la VM. Il s'avère qu'en fait j'avais pas fait gaffe, mais et pourquoi il était installé et je bon, bref.
C'est que donc j'avais dû désactiver Firewall D. Je l'avais fait comme ça en urgence parce que j'ai dit ok, j'ai pas le temps de chercher pourquoi c'est activé, comment, pourquoi il s'est installé, pourquoi il s'était pas activé avant de redémarrer, etc. Bref. Dans l'urgence, je l'avais désactivé parce qu'on était à une heure et demie avant le live, donc j'avais autre chose à faire que de commencer à partir en investigation. Il s'avère que c'est Fail to Ban qui m'avait mis. Parce que j'ai vu que Fail to Ban, dans les règles par défaut de Fail to Ban, il se base sur Firewall D pour faire les bans des IP qui vont faire le boulot de. Enfin, qui vont tenter Brute Force SSH ou d'autres modules en fonction de ce que j'activerai. Et du coup, je vais pas m'en occuper ce soir, mais je sais que c'est ça. Là, j'ai compris. Et en fait, il faut que je m'organise comme il faut, parce que dès que je vais l'activer, je vais reperdre l'accès, etc. Potentiellement. Normalement, quand on fait à la main, à l'ancienne, quand on fait ça à équipe étable, on garde les connexions qui sont déjà ouvertes quand on active la politique par défaut. Je sais pas comment fonctionne Firewall D de ce côté-là, donc plutôt que de me faire couper la chic au moment où je l'active, on va faire l'impasse ce soir, on va rester là-dessus, et donc on va se concentrer vraiment sur le blog. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Ouais. Vite fait, je vais aussi parler d'un petit truc sympa. Bon, c'est con parce que j'aurais pu, si j'étais tombé dessus avant Noël, je vous en aurais parlé. Desktop. Transition. Voilà. Je suis tombé il y a, du coup, il y a quoi? Bah, c'est la semaine dernière en fait. Sur ces petits trucs, la NASA s'amuse à proposer des modèles papier à découper et à imprimer, à découper et à copier, à coller de certains appareils. Donc on a le télescope Hubble, le James Webb, qu'on peut s'amuser à imprimer pour ensuite en faire un modèle. Voilà. Et ils fournissent les PDF gratos comme ça, en précisant les coins où il faut coller, les coins où il faut juste plier. Voilà. J'ai pas encore essayé d'imprimer pour le faire, mais voilà, je trouvais ça rigolo. Donc si ça vous intéresse pour faire ça avec vos enfants, je vous colle ça dans le chat. Et voilà, je trouvais ça amusant. Je vais peut-être me faire un petit James Webb. Honnêtement, Hubble, je l'ai déjà en Lego. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, d'aller chercher autre chose. Et en attendant qu'il nous fasse un James Webb en Lego, bon bah voilà quoi. Ça fera le boulot. Donc le blog. Alors le blog, je suis déjà connecté dessus parce que je me suis remis à. Aussi à écrire, j'ai découvert, enfin oui, j'ai percuté quand le blog avait 10 ans et qu'on avait raté la date anniversaire, donc j'ai commencé à écrire un truc qui potentiellement va encore prendre 3 mois à être pompé. Je voulais revenir là-dessus. Alors, actuellement, il est connecté en local. Oui, ce qui veut dire que du coup, si jamais, donc là on est sur Redis 3.2 parce qu'on tourne sur la Debian 8 et que quand je vais faire le test sur le serveur Tatooine, on sera sur le serveur on sera sur du Redis 5 ou 6, je sais plus ce que j'ai installé. Donc ça devrait se traduire, si on va jusqu'au bout, on a autre chose à régler avant de se poser la question. Voilà, comme on est déjà sur du 127.0.0.1, sur le nouveau serveur, quand on l'interroge, il essaye de se connecter au Redis du nouveau serveur. Donc de ce côté-là, on est peinard. Préfixe de la clé, c'est bon, base de données 0, c'est bon, on avait eu un délire aussi avec le mot de passe. Est-ce que le mot de passe de mémoire, on le définit dans le fichier de conf? Alors,
Oui, ça je sais, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est qu'on arrive au bout de tous les problèmes une fois qu'on aura migré. Alors, bah, on va se connecter au serveur déjà. Oui, je sais, m'emmerde pas. Du coup, il me semble que. Ouais, c'est ça, on avait tout fait en route. Tiens, donc j'ai pas besoin de mot de passe ici. Ok. Alors, du coup, j'avais dit, j'en fais du rsync avec. Ok, donc j'étais déjà dans le dossier. Donc ça va être dans slash blog.cbe666.info et il est là. Alors, il me semble qu'avec le rsync 3.2.3 qu'on a là, on a une option qui permet de pouvoir adapter automatiquement l'utilisateur et le groupe de destination. C'est tiret tiret user map. Non, tiret haut, ça c'est pour garder le. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a? À peine verify, non, c'est pas ça. Non, ça va être ça, hein. Ça va être les. Ça va être le user map et le group map, hein. Ou le chown. Ah voilà, chown. Ok. Donc on va faire ça. Donc on va reprendre. Alors non. Hop. Déjà, on va faire ça. On voit qu'il veut rechanger tous les utilisateurs, les machins. Ok. Et donc si on fait hop. Chown apache 2.apache. Là, il n'y a que tout ce qui est. Ah, il y en a où il veut changer le. D'accord. Ah, ouais, il y en a certains quand même où il veut changer les timestamps. Ah, c'est surprenant ça. Dans le cache. Putain, il y a beaucoup de trucs en fait quand même. Ah, ok, donc ouais, effectivement, c'est ça qui a dû gaufrer. Je sais que ça fait plusieurs fois, j'ai vu qu'en fait, il se mettait plus à jour, donc ça me surprend pas plus que ça. On verra quand on pourra le déglinguer. On a le log ici, d'accord, oui, qui a changé de taille. Ah, le WP config, il faut qu'on le garde de côté, lui, parce que sinon, il faut qu'on l'exclue. Sinon, ça va être la misère. Je vois qu'on a encore le point maintenant, ce qui est là, c'est ouf. Ouais. Du coup, on va faire ça. On rajoute le tiret tiret exclude. Waouh. Ah oui, c'est vrai qu'il a du mal avec le. Oh là là, oh là là. Hop. Allez. On recommence. Chown apache tiret tiret exclude. Alors on a dit que c'était wp-config.php. On va faire un less comme ça et on voit qu'on n'a plus le wp-config là, donc c'est pas mal. Bah let's go, hein. On va faire ça comme ça. Hein. Schlack. Voilà, comme ça c'est déjà fait. On a, du coup, si je fais ça, on n'a plus rien. Impeccable. Ça y est, ça s'est stabilisé un petit peu débile là, parce que tout à l'heure, ouais, ok. Maintenant que j'ai ça, faut que je ressorte aussi mon curl. Si je fais ça, oui, bah oui, non, c'est normal.
Donc là, il est disable. Donc... FPM, je crois que j'avais laissé lancer du coup. Si je fais ça, pouf pouf, on a quoi? PHP 7.4, WP machin. Et on est sur du 200. Donc là, ça fonctionne. Il arrive bien à tout connecter. Et si je... Alors, le Redis Cli me dit quoi, lui? Il me dit... Il me dit, normalement... Si je fais un help, je crois... Non, c'est toutes les stats concernant le serveur lui-même. Comment on fait si on veut faire ça? Enfin... Est-ce qu'on a un truc qui permet Redis Cli, pouf pouf pouf. Keys étoiles. Ok, donc là si on fait... Ok, d'accord, donc là on a des clés dans le Redis, parfait. Impeccable. Bon. Ma foi, c'est pas trop mal. On a toujours pas les logs. Ça, ça m'emmerde profondément, par contre. Je vais faire un truc. Par contre. Oh là, si je zoome pas, ça va être compliqué pour vous. Ouais. Hop. Ça c'est bon. Hop. Il s'agit de tricher. Il s'agit de tricher sur l'adresse IP. Alors je vais être obligé de le faire en IPv4 parce que WSL2. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en bat les couilles. Hop. Je vais faire ça, histoire d'avoir... Hop. Proxy server is refusing connection. Pourquoi? Parce qu'il cherche à ce que... Ok, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ah oui, alors, comment on fait déjà? C'est renommé non fractionné. Ah.
Ah, intéressant. Il n'arrive pas à écouter. Enfin, il n'arrive pas. Pourtant, il est bien OK sur toutes les interfaces. Firewall D est bien désactivé. J'aurais oublié de rajouter les ports sur Proxmox. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, FreeOTP? Il est où? Proxmox, il est là. Alors, data center, firewall, security group, Gallifrey. Ah! Non, c'est pas Gallifrey, c'est Tatooine. Pardon, Tatooine. Ah oui, bah oui. Oui, évidemment. Possible d'être aussi. Non, mais vraiment, hein, je. Alors, on a le 80. Ah non, pas source port, c'est destination port. Donc, on autorise ça. J'ai quoi dans Advance? Non, ça, on s'en bat les couilles pour l'instant. Où est-ce qu'on est? On est là. C'est terrible, hein? Voilà, donc là, on est sur le blog. Il a pris un 301, parfait. Le 301 HTTP2. 200, d'accord. Au niveau sécurité, on est encore sur du TLS 5.2. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille, parce que j'ai envie de passer. Faut que je regarde pour passer en TLS 1.3. C'est pas le sujet de ce soir. On a. Qu'est-ce qu'on a? On est surtout bien sur ce qui m'intéresse, c'est où? Request, non, pas de payload. Où est-ce qu'on voit le. Ok, 203. Donc on a bien notre mensonge. Donc là, on est bien sur. Bah, du coup, est-ce que je tenterai pas le. La connexion? Ça marche, ça? Du coup, si je vais sur Redis, là on voit bien qu'on est sur Redis, PHP Redis 6.0.2, les versions de Redis 6.2.7. Donc là on est vraiment bien. On est pas mal à connecter Redis, oui, global préfixe, pourquoi pas, bloc préfixe, ok. Là on a les clés, on a le plugin pass, les groupes, ok. Bon, donc ça marche. Mais. On a toujours besoin des logs parce que là actuellement. Alors je vais virer ça, je vais rester là-dessus.
En fait, j'ai essayé de les mettre là-dedans, dans Nginx. Là-dedans, et là, en fait, parce que je voulais mettre les logs PHP avec les logs Nginx. Donc, eux, on les a. Ah, tiens, par contre, on a de l'erreur. Old settings assumes. All settings, ok, donc on a un délire avec altpostnotifier.php, d'accord, donc on a un truc qui risque de foutre la grouille. Donc vous voyez, hein, ça fait partie des choses quand je commencerai à jouer avec les montées de version de PHP. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Après c'est le altpostnotifier, je pense qu'il y aura moyen de trouver un plugin remplaçant. On verra. Et vous voyez là par exemple. Les messages qu'on avait eus, on avait eu ça. On avait PHP qui n'arrivait pas à écrire le object cache. Et il me semble qu'on avait résolu ça avec un gros chcon avec un tiret grand R où on avait rajouté httpd syscontent. C'est là où on va rentrer dans SE Linux. Et en gros, de ce que j'ai compris, ce httpd syscontent T, c'est un type. Et ce type-là, je ne sais pas comment, pourquoi, a priori, les processus PHP l'utilisent au même titre que Nginx ou Apache. Parce qu'à la base, httpd, c'est pour Apache. Et là, il y en a plusieurs, des httpd 6 quelque chose. Là. Est-ce que je... Pour moi, on l'avait mis sur le varlog, où il y était déjà, et donc j'avais pas besoin de faire quelque chose en plus. Sans oublier, en oubliant que potentiellement chaque dossier a ses propres permissions par défaut et qu'il n'y a pas de récursivité. C'est vraiment explicitement, à moins de mettre vraiment des règles et des patterns super larges au niveau de la règle. Donc vous voyez, quand on fait un. Quand on cherche EF contexte, on voit qu'on a un httpd syscontent, un httpd log t, on a un script exec. Alors ça potentiellement c'est quand on a du PHP en module, je pense, d'Apache, on n'a pas forcément besoin chez nous. La preuve, on est sur du FPM et ça fonctionne. Et vous voyez qu'on a du RW content. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on a des... Vous voyez qu'on a des wildcards avec des dossiers upload, des dossiers WP content. En fait, il y a déjà des règles prédéfinies. Site default, ça, c'est pour Drupal. Et on a quelques... Là, on a des règles pour W, pour WordPress. Et on a des règles qui sont déjà définies pour quelques autres trucs, dont OpenShift, hein, comme par hasard. Oh, incroyable, mon premier spam, dis donc. Comment je fais pour signaler ça? Épingler? Non, je veux pas épingler, je veux faire quoi? Incroyable. Ah, bah dis donc, comment je fais comme pour la modération, là? Je vais pas réussir parce que j'ai pas le... Je me suis pas mis les outils pour la console ou un truc comme ça. Alors mon chat, utilisateur dans le chat, non. Modifier la présentation, non. Radical Capone, je fais quoi? Suivre, chuchoter, inviter, non. Je peux pas le bannir, lui, le gaillard. Incroyable, 2024, je commence mon premier spam sur le chat. Ah, c'est beau ça. Alors, on fait quoi? Bloquer, signaler Radical Capone. Allez, signaler.
Spam. Suivant. Oh, ça sent le... Ça sent... Pff. Non, c'est du spam. Publication de grande quantité de messages. Non, c'est un bot. Allez, on va mettre bot. Et hop. Puis on va bloquer l'utilisateur dans la foulée. Pouf. Il va quand même falloir que je regarde comment je me préoccupe de ça. C'est un peu chiant. Bon, bref. Retour aux choses sérieuses. Alors. Donc oui, voilà. On a plusieurs flags, plusieurs types. Et je vois que dans var w et on a machin, si éventuellement un truc qui s'appelle un dossier qui s'appelle logs, et il a httpd log underscore t. Et du coup, eh ben j'en ai pas pour Nginx. Donc ce qui est surprenant parce que du coup je m'attendais à ce qu'il soit. Je m'attendais à ce qu'il soit flagué. Donc en fait. Ou alors si je vais dans. Ah, il m'a collé un. D'accord, merde. Il m'a collé un caractère bizarre. Donc on voit que j'ai un varlog nginx avec un slash point étoile point d'interrogation. Donc ça c'est pour dire potentiellement est-ce qu'il y a quelque chose au moins une fois. Et je me demande s'il ne faut pas que je le rajoute sur le... comment ? Sur le dossier de log, parce que j'ai créé blog.cbos666.info. Donc c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, le fait est que... Alors, où est-ce que j'avais retrouvé ? Pouf, pouf, pouf. C'était là-dedans, je crois. Où j'avais vu des choses, je ne sais plus. Voilà, avec le chcon qui avait collé le httpd syscontente. Donc je me tâte à tester le chcon-vr système u machin etc. et à redémarrer le php pour voir ce qu'il dit. Ou à forcer le fait, genre je coupe le redis et je vois ce qui se passe. Pour voir s'il me génère une erreur dans le... S'il me régénère une erreur comme quoi il n'arrive pas à écrire dans le dossier. Donc voilà, donc en vrai, on va faire ça, je pense. Alors, chcon. On va reprendre la commande de chcon que j'avais fait. Là, c'est httpd, du coup... httpd underscore log underscore t. Voilà. Et c'est var log nginx blog machin. Alors, non, j'ai pas fait ça. Il aurait fallu que je fasse ça. Quoique si, normalement, ça devrait aller. Alors, je vais faire un systemctl restart du PHP. Il veut pas me faire la complétion de systemctl, pourquoi ? Ok. Oui, donc là j'ai de la duplication de fichiers, on s'en fout un petit peu.
Donc je vais faire un système CTL stop Redis. Je vais faire exprès de claquer le truc. Donc là, normalement, si je fais ça, on claque une erreur. Là, j'ai bien marqué erreur de l'établissement d'une connexion Redis. Et j'ai toujours pas de fichier PHP, comme quoi le truc est mort. C'est relou. Ah oui, j'avais viré les... D'accord, ok. Donc, ah oui, attends, il va falloir jouer du... Hop, faire ça. Reforcer ça. Arrêter. Et là, on reprend le nouveau strass. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, on a bien le Redis exception. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le... Voilà, c'est ça. Donc il continue de prendre un permission denied sur le fichier de log. Donc ça, c'est chiant. Donc le changement de contexte qu'on a rajouté ne suffit pas. Ah, mais je suis con comme un balai, moi. C'est même pas un problème avec SE Linux. Oh la vache. Ben non, c'est complètement débile. C'est que le truc, il appartient à Nginx. Même pas, il appartient à Root. Le PHP s'exécute en tant qu'utilisateur Apache. Je suis un boulet. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Ça va être compliqué comme histoire. Quoique, a priori, le dossier appartient à Root et pourtant Nginx arrive à écrire dedans. Du coup... je vais enlever le 2 points. Je fais ça. Apache root. Vu que c'est l'utilisateur Apache qui s'exécute. Avec le groupe root. Parce que lui, il va continuer à gueuler dedans. PHP blog machin. Oui, je sais. On se tape une stack trace, on va le garder comme ça, on va reforcer ça. Et là, j'ai pas repris de stack trace. Ah. Là, je viens de faire quoi? 20h40. Ouais, d'accord, ok, ça c'est bon. Faudrait que je change le... On est à plus 0, faudrait que je le change, ce truc-là. Donc là, il a bien pris le nouveau... nouveau Redis machin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, bah voilà, oui, bah voilà, c'est ça, en fait. Couillon. Couillon. Ok, donc là, donc c'était... C'était même pas ce Linux. Oh là là. Donc là, on y est. Alors, ceci dit, par contre, c'est quand même bien lourd.
j'ai l'impression. J'ai mes fichiers de log. Le blog, il apparaît là. Il a le droit d'écrire. Il a le droit de se connecter, il a le droit à tout. Donc là, si je fais ça, je récupère l'accès. Ok. Je récupère l'accès. Et là, il me dit 20h46. Ok, donc là, c'est bon. Ah, par contre, on voit qu'il a fait 99% du truc en cache. Ça fait plaisir. Alors. En vrai, il y a tout. En vrai, il y a tout. Je pense qu'on va pas s'emmerder plus longtemps et que maintenant. Je pense que je vais. On va tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée un vhost, je vais créer un vhost et un utilisateur. Alors, déjà, ce qui m'emmerde, c'est que là, c'est Apache Apache. J'aimerais. Attends, il y a un délire là. 20h46. Waiting for data. 20h46.02. Non, c'est bon, ça marche là. Oh non, ça fonctionne. Ok, d'accord. Je sais pas ce qu'il m'a fait encore là. Bref. Hop. En fait, j'aimerais avoir un utilisateur genre qui s'appelle blog, pas l'utilisateur Apache. On avait pris l'utilisateur Apache la semaine dernière parce que c'était celui. Qui était le plus susceptible de fonctionner parce qu'il était créé à l'installation de PHP-FPM. Mais normalement, on est censé pouvoir utiliser n'importe quel utilisateur. Et donc, j'aimerais bien changer ça. Du coup, ce que je vais faire, on va revenir là. Donc là, c'est utilisateur Apache Apache. Et on va voir ce qui se passe. Je vais. Et c'est là où je vais reprendre la doc que j'ai trouvée. Voilà, Nginx, PHP, FPM, NSE, Linux. Et ça tombe bien parce qu'il passe aussi par les RPM de Rémi Collet, donc c'est très rigolo. Bon, même si ça date de PHP 7.1. Mais voilà, du coup, il crée un utilisateur. Et donc, en fait, apparemment, c'est ce que j'ai compris. Pour la partie contexte SE Linux, c'est d'abord. En fait, c'est les labels qui sont sur le process, c'est pas sur l'utilisateur lui-même. Ce qui veut dire. À partir du moment où on a quand même autorisé le HTTPD 6 machin, le HTTPD log et éventuellement les HTTPD 6 RW contentes, on peut. Ah, d'ailleurs, c'est on a un fcontext-a et moi j'ai rajouté un chconf. Bon, bon, comme c'est du chconf sur des dossiers custom, c'est pas plus mal, mais. Voilà. Après, on peut faire ls-grand-z, on verra bien comment ça se passe. Bref. A priori, à part les. On a quand même du contexte de base à rajouter sur un dossier. On devrait pas être trop emmerdé par l'utilisateur lui-même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur blog. Je vais aller le foutre dans. Je vais lui créer le dossier blog. Je vais lui mettre blog. Quoique, j'ai pas envie de lui mettre de. On va lui faire un truc qui n'existe pas. Alors. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de dossier utilisateur. C'est juste pour exécuter le PHP. On s'en fout complètement. Alors c'est quoi les flags de -r système account? Ouais, voilà, c'est ça. Donc si on fait un user add-r, donc si on fait ça, ça va créer un compte système qui par défaut n'aura pas de dossier. Voilà.
Et on va l'appeler Seb. Voilà, parce que pourquoi pas. Et donc a priori, on n'a pas besoin de faire plus. À partir du moment où on le met en système, je crois qu'il va faire comme ça. Et si on fait par défaut, il l'a quand même. Alors, il a quand même dit. Ok, il n'a pas créé de dossier utilisateur, même s'il dit que c'est home blog Seb. Par contre, c'est là où ça m'emmerde un petit peu, c'est qu'il l'a mis en tant que... Ah oui, non, quand on le met en -R, il met un UID inférieur à 1024. Oui, ou inférieur à 1000, d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Je sais plus. Et je crois que ça influe, en fait, sur les fameuses politiques et ce Linux là encore, parce qu'en fait, vous voyez, si on revient dessus, on voit qu'il y a marqué système U, object R, d'accord, et je crois que c'est le système qui intervient. Donc oui, on va le faire comme ça, donc effectivement, ça peut servir, par contre, user mode-s slash bin slash false, block seb, pitié, voilà. Par contre, 984, donc grep block seb. Non, en fait, je suis con, je fais id block seb et là je vais avoir tout. Voilà, donc ça m'a créé un groupe avec l'id 984 et le user 984. Donc là. Oh le con. Là il est belle. J'étais allé. Voilà, je voulais faire que ce dossier là. Donc là, j'ai changé le propriétaire de tout le dossier. Mais mon PHP s'exécute encore avec. Avec l'utilisateur Apache. Du coup, je vais enlever listen group machin et là je vais enlever Apache pour mettre block seb. Je vais reprendre mon restart. Ouais, et là, j'ai besoin de modifier chown block seb slash var slash slug slash nginx slash block. Et aussi le fichier php error. Voilà, voilà. Et donc là, j'ai redémarré à 20h53. Ok. Et donc là, vous me dites, il reste un cratère. Non, a priori, ça fonctionne toujours. On est toujours là. Donc là, impossible d'initialiser le système de fichiers. Pourquoi ? Non accessible en écriture. Ah ! Tiens donc. D'accord, donc là du coup, vous voyez,
Il nous dit qu'il a le truc système U, machin, etc. Et a priori, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Ouais, mais je l'avais mis sur tout Vardoul. Et... D'ailleurs, je l'avais mis sur VarW et on voit qu'on a script exec sur CGIbin et 6 content sur HTML. Donc on est vraiment bien sur les trucs de base. Est-ce que du coup, je tenterai pas de faire la bidouille, enfin la bidouille, le truc qui était proposé, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il a fait ça... bon là, lui, il l'avait mis avec Nginx pour le mettre en 600, machin, etc. On s'en fout, le fichier de log, ça, on l'avait. Et en fait, c'est rajouter le 6 RW content. Et en mettant un truc... Hop, on va faire ça. Et là, on va faire slash var slash w blog... .cboss666.info slash, et c'est là où ça va commencer à devenir ouais, c'est ça, slash point étoile point interrogation et fermé. Ok, donc là j'ai le 6RW content. Ok, donc on est toujours non accessible en écriture. Ah. Pourtant tout est en bloc SEB. Évidemment, on a de nouveau plus les erreurs. On a de nouveau des erreurs. Ah oui, donc comme quoi, on n'est quand même pas complètement réglé cette histoire. Alors pourtant, c'est bizarre parce que... Qu'est-ce qu'il disait, lui? Il dit qu'il faut rajouter le HTTP des logs sur machin OPT début. Ok. On va tout reprendre, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Lui, il met tout dans un dossier qui s'appelle slash opt. Alors, donc là, il a rajouté l'utilisateur, il a rajouté un groupe. Donc là, il s'amuse à chercher log, session, application, d'accord. Donc là, je suis censé en RWX. Alors, on va faire ça. Ah, il continue de s'exécuter en tant qu'Apache. Mais pourquoi? Non, merde, j'ai raté mon coup. Ah, mais Bah oui, je suis con, je suis... Ah, mais je suis vraiment boulé, hein. Ça ira mieux, ça ira mieux. Hop, on fait ça. Oh, bizarrement, ça marche mieux. Je vais mourir. Voilà, voilà, bon. Et ben, en vrai, voilà, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Mais on est quand même pas...
Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que le contexte que j'ai rajouté... Ah si, je le vois là. Ok. Et en fait, le CH code n'a pas marché. Le premier que j'ai fait en chcon. Enfin si, en fait, le contexte, il est là, mais par contre, quand on liste, on est quand même en syscontent. On voit pas le... On voit pas le 6RW content. Je sais pas pourquoi. Bon, ceci dit... Ceci dit, je pense qu'on va... On va pas s'embêter plus que ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors tiens, ouais, je vais ressortir un truc. Ça, j'ai plus besoin. C'est sur Excalibur, en fait, comme j'avais fait le truc. Voilà, on avait modifié ça. Alors, est-ce que je peux le je peux pas le déplacer, là? C'est quoi, cette histoire? Hop. Si, je peux le faire, voilà. Je peux le faire, et en reprenant le texte, voilà. Donc, lui, ça avait été fait. Lui, au final, on l'a installé. Lui aussi. Les deux choses qui me restent, ça va être acme.sh pour le renouvellement du certif et wp-cli. Ceci dit, si on revient vite fait sur la partie php-fpm, je sais pas si on va faire ça. Il faut... un user en mode système, pourquoi pas, plus contexte rw sur docroot, plus alors et les permissions sur le log. Donc en fait, il faut vraiment que je pense à ces trois trucs-là. Alors au choix, je me crée un micro rôle entre guillemets pour générer. Pour générer tout ça, un petit rôle Ansible ou juste un script bash, n'importe, pour refaire tout ça pour les prochains sites. Pour être honnête, je ne sais pas encore. On verra bien. Mais ça m'emmerde vraiment cette histoire de modération là. Comment on peut retirer des messages?
Je suis désolé, hein, c'est très silencieux d'un coup, mais ce truc de modification, ce truc de spam m'emmerde beaucoup. Bon, bref, tant pis. Revenons à nos moutons. Donc, il nous reste, on va y arriver, deux choses. Acme.sh et WPCli. Je vais les faire dans le désordre. Je vais commencer par WPCli. Alors, pour ça, on va pas s'emmerder. On va aller sur... Ah, je vais virer ça, parce que c'est pas là. Hop. CCCWPCli.org. Ce qui est plus simple. Et donc, si on veut l'installer, on a le téléchargement de ce truc-là. Hop. Alors. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Ok. Donc dans User Local Bin, on a que Starship. Oui, alors en fait, je voulais faire... Je voulais me faciliter la vie. En fait, faut que je fasse ça. Copier. Tiret grand O. Slash user, slash local, slash bin, slash wp. Hop. Ch mode plus x. Ça va marcher, ça. User bin env php no such file or directory. Oui, parce qu'il n'y a pas de version de php par défaut. Il faut que je fasse ça, je crois. Ah, c'est PHP 7.4. Si je fais comme ça. Faire ça, et c'est donc la version 2.9. Est-ce que j'ai une commande pour créer une version par défaut de PHP, ou est-ce que je me fais chier à mettre directement un lien symbolique vers le binaire? Y a pas un truc à la update alternative? Si, c'est ça. Alors comment je peux faire update alternative? Est-ce que j'ai un tiret tiret list? Je peux faire ça. Donc là il dit qu'il a eu ça, d'accord, il a un nc automatique sur binn4, il a un wiz.md pour wiz, un iptable nft pour iptable, un ebtable nft, un arptable nft, d'accord. Et donc du coup, si je veux créer un autre truc, link, name, pass, priority. Donc là, si je fais un update alternative, tiret install, slash user, slash bin, slash php 7.4, si je dis que c'est php, ah non, link, user, bin, php, php, et user, je vais voir des exemples de commandes parce que là ça me... J'ai pas envie de faire le truc à l'envers, faites pas chier. Alors, tac tac tac, oui on a compris. Oui, donc là, editor, c'est d'accord. Back to auto mode, on s'en fout. Links configuration. Ok. Where is editor? Donc là, on a le truc editor avec le man. C'est un lien vers ETC alternative editor. D'accord, on a compris.
Managing alternative, d'accord. Donc on dit quoi? On dit que le user bin c'est editor. Ouais, c'est ça. Le truc s'appelle editor et en fait le lien réel c'est micro. Et la priorité c'est 100. Est-ce que la priorité on est obligé de la mettre? Oui, a priori oui. Donc c'est bien ça. Donc il faut mettre le lien qu'on veut, donc PHP, le truc qu'on appelle Sacha, et donc bin PHP 7.4. Ouais, c'est ça. Et donc, on va mettre 100 à la fin. Alors, par contre, ce délire de me rajouter des caractères à la con, là. Bon, bah voilà. Pas si compliqué, finalement. Et donc, en fait, si je veux changer de version de PHP, bah, en fait, le truc, si je veux juste le user bin PHP, par défaut, là, pour l'instant, il pointe sur 7.4, et quand je vais installer d'autres versions de PHP, il faudra que je pointe vers le... Donc, après, ce sera 8.0 ou 8.1. Éventuellement, là, ma cible actuelle, ça va être 8.1. Pas pour ce soir, hein, mais ça va être 8.1, de toute façon. Et on verra comment ça se passe. Alors par contre, du coup, je suis dans mon blog. Core info, ça va être ça, non? Info is not ok, core status, un truc comme ça, je crois. Alors, si je fais WP core, il nous dit quoi? Core install version, core version. Ok, on va faire ça. Donc il a bien le 5.7.10, ok. On va refaire un update-db peut-être. Normalement c'est pas ça qui lui avait posé problème sur la mise à jour. Ok, il est bien déjà sur le numéro de version. Du coup, est-ce que... D'accord. Là, j'ai tous les listes. On voit qu'il y a des updates de disponibles. Alors, du coup, WP, plugin, update. On va relancer la mise à jour des plugins. Please, ok. Donc, on va faire un -all parce que pourquoi pas. Donc là, on le laisse re-télécharger les plugins, reforcer, et donc là, il les a mis à jour. Voilà. Ce qu'il ne voulait pas faire sur l'autre site. Bon, en vrai, je crois qu'on va, passer à la dernière étape. Hein. Je vais pas m'emmerder plus longtemps que ça. Je vais directement aller sur ma zone DNS et puis je vais basculer. Je pense qu'on sera bien pour ce soir. Raté. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc on va aller sur le manager OVH. Sur le domaine CBoss machin. Hop, on va se connecter sur le bon compte. Il va encore me bassiner avec la double tente. Puis on va modifier l'adresse IP. Hein. Allez. On va arrêter les... Donc là, j'ai les deux blocs. Ça, c'est bon. On va modifier l'entrée en 203. Ici. On valide. Et par contre, je crois que j'avais pas fait de correspondance. Ouais, c'est 2.6 pour le... Donc là, il va mettre à jour le truc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller forcer... Euh...
Oui, alors ça c'est le manager OVH. Vous faites une mise à jour, il vous enregistre pas la mise à jour. Il continue d'afficher les anciennes valeurs, alors que potentiellement, si on va aller interroger un... Vous voyez, les serveurs publics de Google commencent à répondre la nouvelle IP. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais quand même aller me connecter vite fait, pardon. Hop. De mémoire. Est-ce que j'ai fait un curl quelque chose là? Non, ça c'est des vieux trucs. Ça c'est des très vieux trucs. Ah oui, ça c'était des tentatives d'exploitation de... ok, bon. C'est intéressant. Il veut se connecter en 127.0.0.1. Ok. Et là, il me dit que le certificat a expiré. Alors qu'on était connecté dessus sur l'ancien serveur et que ça marchait très bien et qui nous disait bien que le certificat était valide jusque 2024. Ouais, original celle-là. On l'a jamais faite. Bon, après ça c'est pour ça qu'il fallait que il faut que je change de bécane. C'est que vraiment ce Debian 8 commence vraiment à me poser beaucoup trop de problèmes dans tous les sens. Si j'enlève le K, il va me dire quoi? Enfin, si je rajoute le K pour dire on laisse tomber le certificat. On est bien sur le WPJSON, on est bien sur HTTP 1.1 parce que mon cœur il veut pas faire mieux. Oui, elle indique que le certificat il a expiré alors que la date elle est bien en 2024 quoi. Ah, c'est ouf. Il est claqué au sol à ce point-là le bazar ou... Ben non, pourtant il est à l'heure. Putain, c'est ouf ça. Ah, il est vraiment claqué au sol, le bordel. Bon, ce qui m'intéressait, c'était de faire la page de maintenance pour être sûr que... L'idée, c'était de créer un error503.html. Hop. Hop, slash title, slash head. Hop.
vieux center H1 dégueulasse. Hop. Migration ongoing. If you see this is the old server. Hop. On va faire ça. Hop. Et donc là, normalement, si je fais ça, le curl, lui, va me claquer une 503. Et si je remplace le i majuscule par un i minuscule, on voit bien le migration ongoing. Et donc là, normalement, ici, où je ne triche pas, je commence à voir du HTTP de 200. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'adresse IP. L'adresse IP, c'est du 2.6, donc on est sur le nouveau serveur. Voilà, voilà. Donc on n'est pas à l'abri de continuer à voir encore un petit peu des... Oui, je sais que ça bloque, fait pas chier. On continue de voir un petit peu des surprises, mais là, si je rafraîchis ça... Normalement, voilà, 6.0.2 avec du Redis en 6.2.7. Donc ça, je peux le fermer, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais pouvoir aussi... je vais surtout... Oui, évidemment. Pouvoir virer cette ligne-là, voilà, plus besoin de mentir à mes outils. Et donc on devrait être bien là. On devrait être pas mal. Incroyable. Mars 2023 hein, quand même. Hein. Mars 2023. Janvier 2024. La migration la plus longue de l'histoire. Il nous reste Acme. Il nous reste Acme. Il faut que je triche pour ça. Quoique, non. J'ai pas besoin de tricher. Oui, de toute façon, je pouvais pas utiliser ou installer acme.sh tant que j'avais pas. Tant que je n'avais pas... Comment dire? Je vais y arriver. Hop. Tant que je n'avais pas changé le domaine. Et d'ailleurs, là, c'est quoi ces deux... C'est quoi le truc qui permet de... Il n'y a pas un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est comment on fait pour avoir un... C'est quoi l'outil qui permet... Sur MX Toolbox, on a ça ou pas? Je sais plus. DNS lookup, un truc comme ça. Alors, je sais pas pourquoi il a décidé de pas taper les trois premières lettres. On est en 203. Non, ce qui m'intéresse, c'est la map, là. Diagnostic. Non, ça, c'est pour SMTP. C'est vrai que, par défaut, MX Toolbox, c'est surtout pour le mail. Ah, mince. Mon cerveau bug. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. DNS checker, c'est pas ça. DNS propagation de check. Yes, c'est ça. Alors, si on met toutes les lettres, c'est mieux.
On peut chercher le champ A, comme ça on peut voir 203, 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 203. Bon, a priori, hein, quand à peu près toute la planète qui répond, répond la même, c'est que c'est qu'on est bien. Et là, on est sur du 6, 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 6. Parfait. Donc, on est enfin sur le Rocky 9, et ça fonctionne. Alors, donc on a dit la dernière étape, installation d'ACME. Installation d'ACME, j'ai pas envie de juste copier-coller, en vrai je pourrais, hein, mais est-ce que j'ai le .acme.sh, il est là en fait. Et tiens, c'est rigolo. Mais du coup, comment j'ai installé le... Bah ouais, ça marche ça. Alors pourquoi quand j'ai fait le witch, witch avec mes points SH, il m'a pas... Ah ouais, effort de café ça là. Donc en gros, soit je récupère tout ce truc là, je sais plus avec quelle adresse. Ah, il n'y a pas de compte. D'accord. Ouais, non, mais de toute façon, c'est une installation qui date de Mathusalem. Je vais pas. J'ai même pas de... Bon, c'est celui-là. Domain, webroot, Acme, machin. La Rilke, elle est là, ouais. Le CRT, le full CRT, ouais, ça c'est un truc que je... C'est quand on fait le install qui fait ça, le link order. Ouais, je me souviens même pas avoir d'account, donc en fait je sais même pas comment le pourquoi faire le install online. Tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. Sauf qu'il me semble qu'en fait, depuis un temps, il y avait un délire avec... c'est quoi ? Non, d'accord, ok. C'est toujours... Ok. Parce que maintenant, en fait, 0SSL étant sponsor, je me demandais s'ils n'allaient pas faire de conneries. Et en fait, non. Ok, donc c'est toujours Let's Encrypt qui est utilisé par défaut. Ce qui me va bien. Ce qui me va très bien. Ce qui me va très bien. Donc normalement, si je fais ça... Voilà. Je vais revenir dans mon dossier à moi. Et on va faire ça. Alors, il nous dit « It is recommended to install SOCAT first. » On s'en bat les couilles. « If you don't use standalone mode, just ignore this warning. » Ok. « Installing to root Acme, Acme, install machin. » « Installing alias. » D'accord, donc c'est un alias qu'il y a dans
Okay. Ah oui, donc en fait, c'est si je reviens là, en fait, c'est... Ouais, je cherchais les Witch et en fait, c'est un alias. D'accord. Ok. Donc, faut juste que je fasse attention parce qu'en fait... Il me le colle là-dedans. Ah oui, mais de toute façon, je colle le Starship, il est collé au niveau du système, donc il est collé dans ETC Starship. Pour tout le monde. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bash is found, change the Moshibon to use Bash as preferred, ok. Donc là, il s'est installé. Il s'est installé, il ne connaît pas mon certificat actuel, ce qui n'est pas grave. Je vais faire un truc, par contre, c'est que... En fait, j'en ai ras-le-bol, il va falloir que je le rajoute, cet alias, c'est pas possible. J'ai remis les certificats là. Je vais me faire un petit backup de ça. Voilà. Donc là, j'ai un dossier SSL backup, comme ça, si jamais j'ai un souci pour X raison, on peut revenir en arrière. Et je crois qu'il est déjà. Ouais, il est déjà en 10h30, donc on va pas non plus s'emmerder plus que ça. Alors par contre, comme moi, c'est une vieille version que j'ai, ce qui m'intéresse, ça va être surtout. Alors non, le Proxmox m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, ça va être de comment... Non, ça je m'en fous. Non, ça je m'en fous. Install préparation, non. Issue cert from existing CSR, ça m'intéresse pas. Running Docker, stateless mode, on s'en fout. Sudo, on s'en fout. Parce qu'en vrai, je vais le faire fonctionner en route. Ils sont sérieux là? D'accord, je sais plus lire. Alors, on a ça, tiret D, d'accord, le HTTP port, on s'en fout. Dans les trucs qui m'intéressent... Non, DNS API, on s'en fout. Ce sera du manuel parce qu'on a le script pour faire le boulot. Ce qui va m'intéresser... Oui, on peut faire un tiret D, tiret W, tiret D, tiret W. Alors, j'ai plus l'option pour la partie elliptique. Comment ça? Tiret ECC. Voilà. Donc on est toujours là-dessus. On est toujours là-dessus. Ok. J'ai toujours pas le account email pour install et update account. Ok. Mais en fait, le install, il n'a pas eu besoin de le faire. En vrai, il n'y a pas besoin. Du coup. Parce que de toute façon, ils vont générer automatiquement en mode anonyme. Il n'y a pas besoin de mettre. Surtout qu'en fait, la plupart du temps, quand on met une adresse email valide, à part pour vous spammer quand les certificats sont en train d'expirer, et que comme il ne révoque pas les nouveaux certificats une fois qu'il en a généré des nouveaux, et ben en fait, on continue d'avoir les notifications d'expiration alors même que le certificat a été renouvelé déjà 15 jours avant. Balek. Alors, du coup, on va être sur un. Alors, ça va être sur un tiret-issue. Tiret-blog.issue.
cboss666.info. On va mettre un tiret ECC tout de suite comme ça. Le tiret W, c'est var wblog.sebastiansuisse.info. Le renew hook. C'est ETC. Tiens, ça c'est un truc que j'ai vu du coup en faisant le. On cherchait la conf de l'autre là. Non, c'est pas ça, je sais plus. Non, c'est pas ça. Ok. Tac 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 tac, blog info qui machin. Tiens, c'est ouf ça. C'est dans deploy. Non, parce que ça c'est les scripts par défaut. Comment il a enregistré le hook? Parce qu'en fait, ça c'est fort de café. Je me souviens plus comment j'ai fait les. Non, ça c'est. C'est assez balèque. Je me souviens plus comment j'ai fait le hook. Ah, c'est le reload CMD, ok, il n'y a plus de... En fait, le script, il sert plus à rien. D'accord. Oui, parce que je pars du principe qu'en fait, le truc existe. Ok. Donc, il n'y a pas de renew hook. Puisque je fais le install cert. Ok, ça, c'est... Il faut... Hein ? Comment dire ? Il va être temps que j'aille manger, surtout. Toujours pas mangé, j'ai même pas fait à manger. Du coup, le CSR, il n'y en a pas. On a dit blog, point machin, ok. Le pré-hook, on est bon. Il n'y en a pas. Le HTTP port, on n'en a pas besoin, parce que c'est pour le standalone. La clé, on va mettre, on va forcer la taille de la clé. Hein. On va pas s'embêter. Hop. Tentons. Ah oui, oui, bah oui, j'ai vu qu'un seul tiret, couillon.
Ouais, vous voyez, et là, il prend, en fait, il dit, non, non, je vais faire 0 SSL, et là, ça marche pas. Donc, en fait, ça m'emmerde. La doc est pas à jour. Alors, si on veut default let's encrypt, avec mes .sh, on va faire ça. Hop. On va forcer ça. Du coup, on va virer le blog machin et on va refaire le issue. Ouais, bizarrement, ça marche mieux. Hein. Success, parfait. Donc là, il a créé. Il a créé le certificat avec tout ce qui va bien, j'ai l'impression. Link cert machin, blocks machin, du 5 janvier au 4 avril. Donc c'est bien 3 mois, pas de souci. Donc là maintenant, il faut que je fasse le -- install cert. Alors, c'est là que ça va être long. Install cert, raté, c'était ça. -d blog.servosciencesuisse.info. --full-chain-file. C'est tout attaché, je ne me souviens plus. Putain, ça va que j'ai pas fermé le mauvais. Oui, c'est ça. Il y a un tiré entre les deux. Slash etc slash nginx ssl. Donc là, --reload cmd, voilà, on va faire ça. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on installe le certificat et quand on reload, quand on lui dit de reloader Nginx. Et donc là, il a gueulé. Alors, parce qu'il dit qu'il n'arrive pas à. Alors là, il nous dit qu'il y a un problème avec le certificat. Yuski. Donc là, on voit qu'il a recréé. Ah oui, mais il y a un délire parce qu'à tous les coups, je dois prendre le. Je prends pas le blog CRT, je prends le fullchain.cr dans mon fichier de conf. Donc là, c'est ma faute. Conf.b, blog. Et oui, voilà. Donc en vrai, on va laisser tomber le fullchain.cer et puis on va remettre le CRT. Et là, ça devrait aller mieux. Il devrait arrêter de gueuler. Voilà. Et donc, si on fait un reload... Oh, bizarrement, ça va mieux. Ça va mieux. Reloaded. Et donc là, si on retourne
Et là, on s'en fout, on prend ça par exemple. Et donc là, on va dans connexion sécurisée, plus d'informations. Afficher certificat, 5 janvier, 4 avril. Voilà, on est sur du Let's Encrypt avec de l'elliptic curve en 384 bits. Avec toujours une signature en SHA 256, RSA derrière, ok, gna gna gna. Avec des empreintes, un identifiant de clé, on voit que c'est du Let's Encrypt, machin, ok. C'est du domaine validation, pourquoi pas. Bon, et pas mal du tout. On est bien, on est bien, on est bien. À part le TLS 1.2, il faudra que je regarde pour le TLS 1.3. C'est pas pour ce soir, mais en tout cas. En tout cas, il y a juste par contre. Ah. Ouais, c'est bien ce que je pensais. D'accord, il me l'a installé dans. En tant qu'utilisateur. Ok. Donc j'ai la. Ok, j'ai la cron tab. Donc là, jusque-là, tout va bien. Si je fais ça et que je le lance, là, il va me dire coucou, v'là le blog. Le certificat existe déjà. Donc on s'en fout. Voilà, tout simplement. Je vais commencer tout de suite à faire le ménage de ce truc-là qui ne me sert plus à rien. Vas-y, yes, remove. Donc potentiellement le Nginx Reload. Parce qu'en fait, le Nginx Reload, il faisait quoi? Il copiait les fichiers. Enfin, il copiait le fichier, la clé, et après, il faisait un test et il redémarrait le truc. Ouais, donc en fait, j'en ai pas besoin. Au pire, j'ai leur backup. Donc voilà. Voilà. On est full throttle. Alors non, pas complètement. Comme j'ai dit, il va falloir que je me pose. Je pense que je vais faire ça demain matin. Sur FireWallD, parce qu'en fait, il faut que je sois sûr d'être connecté à la console de Proxmox en même temps. Sinon, ça va être trop la merde. Et du coup, une fois que ça c'est fait, je pourrais continuer les migrations pour idéalement bah, supprimer complètement, au moins dans un premier temps, la partie Nginx PHP du serveur Debian 8. Et après, continuer. Alors, ça va être très violent quand il va falloir que je commence à me poser des questions sur tout ce qui est. Comment ça s'appelle? TeamSpeak. Mumble, je crois que je vais le réinstaller de zéro parce que de toute façon, j'avais paumé la partie admin et je crois que c'est chiant pour la récupérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui traîne encore sur ce vieux serveur-là? J'ai quoi? Alors, on va trier par commande. On a le Mumble, on a le TeamSpeak. On a un vieux Lunin qui traîne, effectivement. Devoir passer, là. Mail grave, je sais pas trop ce que c'est ça. Le fail to ban. Le serveur Redis. Courrier OD, je sais même pas ce que c'est. Le postfix pour envoyer des mails. Ah tiens, ça c'est un truc qu'on n'a pas testé. C'est un truc qu'on n'a pas testé sur le nouveau serveur. Dans le fichier mailtester.php.old, j'avais testé
J'avais testé un truc pour vérifier l'alias mail pour l'abonnement à Canard PC. Ah, j'ai pas poste fixe. Ah ouais, chaud. Chaud, chaud, chaud. Ah oui, donc là, en fait, je ne sais plus envoyer de mail. Ah oui, donc c'est peut-être pas fini. Vous savez quoi? Pour ce soir, c'est pas la peine. Je vais mettre ça sur la liste de ce week-end. Parce que du coup, il sait plus envoyer de mail. Ça va pas être pratique. Parce que mine de rien, en fait, je reçois régulièrement des notifications sur les liens cassés, sur ce genre de choses. Donc ce sera pas mal de nettoyer un peu tout ça. Enfin, de revoir un peu tout ça. Du coup, je vais vous laisser là pour ce soir. La semaine prochaine, normalement, il y aura live. Je sais pas encore quoi. Je reviendrai rapidement hein, sur ce que j'ai fait là, sur ces trucs-là. Sur ce qui me reste, donc la partie post-fix du coup que j'ai pas. Sur la partie firewall D quand même, histoire de remettre un peu de sécurité comme il faut. En fait, ça veut dire qu'il va falloir que je configure le firewall D, donc le pare-feu, à la fois correctement au niveau de la VM, en plus de ce que je fais déjà au niveau de Proxmox. Bon, voilà. Un peu chiant, mais c'est pas la mort. Ce sera intéressant de toute façon quand je vais commencer à me. Quand je vais commencer à me. À me pencher sur la partie non web. Voilà, parce que là j'ai déjà tout quasiment. La seule chose que je vais devoir recréer, c'est SSH. SSH et web. Non, base de données aussi. Enfin bref, il y a quand même des trucs qu'il va falloir que je réautorise de toute façon pour pouvoir finir la migration. Bon, bref, il faut que j'aille dormir. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, bref, du coup, on va revenir là-dessus. Ça ne peut rien de vous présenter une console. Donc voilà, la semaine prochaine. Est-ce que on changerait pas de sujet? On va continuer à parler web, je pense. On va rester sur du web. On va parler partage de fichiers. Je pense que je vais dépiler mon point de vue sur un truc qu'on avait entreaperçu quand j'avais déployé le Nextcloud pour la synchro de comment? Pour la synchro de calendrier et de contact pour le téléphone, c'est qu'en fait, Nextcloud, c'est avant tout un système d'hébergement de fichiers et qui a une possibilité de partage de fichiers vers l'extérieur de manière plus ou moins temporaire. Et en fait, il y a plein de services comme ça qui existent, hein. On pense à WeTransfer, qui est un des plus célèbres, entre guillemets, mais c'est pas le seul. Pendant très longtemps, j'ai utilisé transfer.sh, qui est fait par une petite boîte qui s'appelle Dutch Coders, qu'on peut auto-héberger, que je me suis amusé à auto-héberger à une époque où j'essayais de faire ça, notamment dans du Docker, c'était très compliqué. Et surtout, je voulais personnaliser l'interface, et là, c'était encore plus violent à l'époque. Et il y a d'autres logiciels auto-hébergeables qui existent, plus ou moins faciles d'accès, avec des fonctionnalités plus ou moins intéressantes en termes de sécurité, y compris en termes de sécurité sur côté serveur, où on peut, enfin, il faut notamment s'assurer que l'utilisateur, l'administrateur du serveur n'ait pas d'accès au contenu du fichier. Donc on va voir ceux qui sont capables de faire ce genre de choses, on va voir un peu les différences. Je ne sais pas si j'aurai la capacité, soit je prépare un petit peu, et il y a déjà l'installation et on fait un test rapide de chacun. Soit on le fera un peu à l'arrache, mais ça m'emmerde un petit peu.
Parce qu'en 2 heures, on n'aura peut-être pas le temps de faire tout ce que j'ai noté. Parce que j'ai gardé. Il y a quoi? Il y a du Linshare, qui est un truc qui est fait par Linagora. Il y a du Pingvinshare, un truc qui a été partagé par Cormain, que j'ai gardé. Voilà, je pense à des vieux trucs qui sont plus maintenus, comme Girafo ou ce genre de bêtises. On a Luffy aussi, que j'avais essayé d'installer une fois sur autre chose que du Debian. Ça s'était très mal passé au boulot. Je parle même pas de la personnalisation derrière. Enfin bref, voilà, il y a plein d'options en fait qui existent pour faire. C'est du partage temporaire de fichiers, notamment quand on veut s'éviter d'envoyer un mail qui fait 40 mégaoctets, parce que déjà plus ça va, moins ça passe dans les filtres anti-spam, et surtout c'est complètement con. Donc autant juste envoyer le minimum vital avec un lien vers un fichier qui sera téléchargeable 1, 2, 3 fois pendant une semaine, protégé par mot de passe ou encore plus dur, et après le fichier n'existe plus que chez la personne qui l'a récupéré. Donc voilà, ça fait partie des choses. Je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine, à moins qu'on me propose un truc encore plus intéressant hein, entre temps. Mais ça sera... voilà. Ou que je trouve autre chose. Parce que je désespère pas non plus de réussir à... Oh, il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet que j'ai partagé en plus sur Twitter. Parce qu'on m'a encore refait, on m'a encore fait la remarque que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, il n'y a pas de vignettes sur les vidéos. C'est les petites vignettes auto-générées et à chaque fois, c'est les mêmes. C'est dégueulasse. Donc du coup, il faut que je trouve un moyen simple de faire des vignettes, parce que ça me fait profondément chier, on va être honnête. Hein. Et du coup, faire des miniatures de vidéos, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire simplement, le plus automatisé possible. À un moment donné, je voulais m'amuser un peu avec les IA génératives. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus adapté. Surtout comme j'ai un PC full AMD, c'est l'enfer. Pour réussir à faire tourner un truc en local, parce que tout est fait pour du Nvidia, et ça me fait profondément chier. Mais bon, voilà, il y a ce sujet-là aussi qui permettrait un peu de... voilà. De pas avoir l'impression d'être trop feignant non plus. Mais il y a besoin. À un moment donné, il y a besoin. Donc, voilà. Il y a ces sujets-là sur la table, et puis bah, voilà. Si j'en trouve d'autres entre-temps qui sont plus... qui ont l'air plus... comment dire... prioritaires, et bah éventuellement, on se penchera là-dessus. On se penchera dessus. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que... Oui, parce que je suis pas encore prêt pour Home Assistant. Ah, si, oui. Autre sujet, c'est vrai qu'il y avait ça. La partie build d'image, si on va peut-être revenir, sinon dans ce cas-là, rien à voir non plus. Hein. D'un côté, on parle de gestion de chaîne YouTube et Twitch. De l'autre côté, c'est du... de l'auto-hébergement, de partage de fichiers, et le troisième sujet que je peux reprendre maintenant et que j'aimerais bien faire, puisque j'ai réinstallé proprement mon drone avec mon Gitti, et donc je suis prêt à gérer les builds d'images dans mon cluster cube. Et il va falloir qu'on regarde comment faire ça à la main, et ensuite comment faire ça avec drone. Voilà. Ça fait partie des trucs que je peux reprendre maintenant. Donc voilà, je verrai en fonction des inspirations, en fonction de la motivation. Je vous tiens au courant, bah, notamment sur Twitter. Quelque part dans l'année aussi, il va falloir que je me pose la question de reprendre un peu mes comptes. Parce que j'ai du compte Blue Sky, du compte Mastodon. J'avais commencé à bricoler un truc sur le WordPress pour tenter d'avoir un peu déjà de l'autoposte, même si je poste rien. Hein. Mais de l'autoposte sur les différents réseaux, sur ces différents nouveaux réseaux. Et sachant qu'il y a des trucs qui sont encore très, très, très... Notamment sur Blue Sky. Hein. Blue Sky, c'est encore... on a l'impression que les mecs avancent pas beaucoup. Je sais qu'ils font un gros...
Enfin, a priori, ils sont partis pour faire un gros taf de réarchitecture, pour essayer d'encaisser plus d'utilisateurs, pour gérer l'aspect décentralisé. Mais côté, même côté sécurité de base, c'est compliqué, quoi. Et même intégration applicative, c'est pas évident encore pour l'instant. C'est brut de décoffrage, on va dire. Donc je m'étais arrêté en cours de route aussi parce que flemme. Comme d'habitude, c'est souvent flemme. Et du coup, il faut que je reprenne, voilà. Faudra que je reprenne un petit peu la gestion des comptes de réseaux sociaux. Après, le fait est que j'ai quand même majoritairement des duplications entre Twitter, Mastodon et encore, ouais. Il y a quelques personnes qui ont décidé de, qui ont fait le grand saut en quittant complètement Twitter. Pour X, pardon, Twix, qui ont complètement quitté Twix pour aller sur Blue Sky et ou Mastodon. Donc du coup, c'est intéressant de continuer, mais c'est vrai que j'ai toujours les réflexes d'aller que sur Twitter pour l'instant. C'est pas évident pour moi, mais bon, ça, on y viendra à force à un moment donné. Hein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et au plus tard, à vendredi prochain. Ciao, ciao!